pousse, on roule dans 5, 4, 3. Je suis une fille de famille, je suis une fille de gang. Alors pour moi, là, l'équipe, c'est très, très important. Moi, autour de moi, là, j'ai toujours le même monde, ça fait des années. Évidemment, je travaille avec mon mari, ça, on est toujours ensemble, jour et nuit, en famille, comme au travail. Ça, pour moi, c'est comme la base de ce que je suis. Parce que, évidemment, j'ai pas besoin d'expliquer qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux pas, il me connaît pas mal par cœur. Alors pour moi, c'est une forme de sécurité. Autour de moi, j'ai des musiciens qui sont exceptionnels. Moi, je dis toujours que j'ai les meilleurs, bien sûr, mais j'ai aussi des gens que j'ai choisis. Moi, ces gars-là, ils sont pas là par hasard, ils sont là parce que j'avais besoin d'eux. Et ils sont toutes les forces que moi, j'avais besoin de ressentir sur scène. Moi, quand je me tourne, là, quand je fais mes spectacles, bien, je me tourne vers mon directeur musical, Sébastien Dufour. Il sait exactement ce que mon regard veut dire, ce que mes yeux veulent dire, si ça se passe bien ou pas bien. C'est la même chose à la batterie, François Fortin. J'ai Samuel Cournoyer à la basse. J'ai Serge Capistran aussi qui est là aux guitares. J'ai mon sonorisateur qui est là, Éric Cyr, depuis longtemps. Ça, pour moi, là, c'est une force vraiment très, très importante. Je sais que des fois, on aime ça changer, on aime le changement. Ben moi, pas du tout. Moi, c'est l'inverse. Moi, plus je les connais, mieux je me porte. Ces gars-là, c'est un peu comme ma deuxième famille, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose avec les filles qui s'occupent de mes relations de presse. Les sœurs Christine et Julie sont avec moi depuis très, très, très longtemps. Alors des fois, on me dit « comment tu fais pour en faire autant? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours aussi stable dans ce métier-là qui est pourtant assez difficile? » On veut tout le monde être ensemble tout le temps, pour le meilleur et pour le pire. Ben moi, j'ai réussi à faire ça avec mon équipe professionnelle. Et ça, là, pour moi, c'est une valeur inestimable.